Alléluia. Oui, le vendredi, nous parlions. C'est cela. Et ce matin, j'aimerais, amen, voilà, mettre encore le doigt dessus. La beauté des filles des hommes. Un grand signe du temps de la fin. Un grand signe du temps de la fin. Alors, nous allons simplement prendre Luc chapitre 17, les versets 26 à 30. Luc chapitre 17, les versets 26 à 30. Luc chapitre 17, les versets 26 à 30. Remontez en Genèse, chapitre 6, les versets 1 à 3 et les versets 14, les versets 13 à 14. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot en sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba en main du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Gloire à Jésus-Christ. Genèse chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. L'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu loindras de bois en dedans et en dehors. Gloire à Jésus-Christ. Nous inclinons nos cœurs. Seigneur, ajoute tes bénédictions, ajoute tes grâces à ta parole. Oh, pour le bien de nos âmes, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. De tout ce qui vit, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche deux de chaque espèce. Amen. Deux de chaque espèce. Ouais, on peut même voir même qu'il n'y a pas de polygamie même dedans ici là. Il n'y a pas polygamie ici. Deux de chaque espèce pour les conserver en vie avec toi. Et il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce,
du bétail selon son espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Deux de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Voilà, que Dieu soit béni. La beauté des filles des hommes, un grand signe du temps de la fin. Gloire au Seigneur. Nous parlons sur la beauté. La beauté en général. La beauté des filles des hommes qui a amené la fin, qui a amené la mort, l'extermination de tout ce qui avait souffle de vie sur la terre. Amen. Et voyez-vous, la prophétie annonce le retour de cela encore sur la terre. Gloire au Seigneur. Jésus-Christ prophétise, annonce que ce tableau se reproduira encore dans les jours dans lesquels nous vivons. Le jour, amen, où la colonne de feu, amen, est photographiée. Gloire au Seigneur. Et nous vivons dans les jours dont la prophétie parle. Gloire au Seigneur. La beauté des filles des hommes a amené la chute des fils de Dieu. Cela a attiré la colère de Dieu. Dieu s'est repenti même d'avoir fait l'homme sur la terre. Et nous voyons que l'origine de cela, c'est la beauté des filles des hommes. Amen. Et lorsqu'il y a eu ce croisement, les fils de Dieu qui tombe sous le charme, amen, qui tombe sous l'admiration, amen, des filles, des hommes. Et aujourd'hui, on n'a pas besoin d'explication. Mais aujourd'hui, de tous les temps, il n'y a pas un temps où la beauté, amen, est mise au devant de toutes choses. Où la beauté est mise au devant de tout. Gloire à Jésus-Christ. L'homme met l'accent sur la beauté. Nous vivons le jour dont la prophétie parle. Ce jour qui a amené la colère. Et Jésus dit que ce qui est arrivé là-bas arrivera pareillement. Donc si nous voyons les mêmes choses qui se sont reproduites, se reproduire encore aujourd'hui, alors nous pouvons savoir immédiatement que le jugement est à la porte. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un temps où les gens courent derrière la beauté, où surtout les femmes courent derrière la beauté. Gloire au Seigneur. Nous avons parlé des hommes qui se coiffent comme des femmes, qui se tressent comme des hommes qui, amen, qui utilisent des produits pour s'éclaircir. Amen. Dans les habillements, des pantalons, de petits pantalons, des pantalons de bébé. Amen. Des vêtements. Amen. Alléluia. Qui choque. Il n'y a pas eu un temps comme pareil au temps dans lequel nous vivons. Et la prophétie nous dit que c'est ce qui s'est passé. Amen. Au jour de Noé. Et dont Dieu n'a pas supporté. Et lui qui a créé la terre pour que la sainteté habite la terre. Dieu ne pouvait pas supporter cela. Et Dieu a balayé la terre, nettoyé la terre, prendre de l'eau et laver la terre de toute cette souillure. Amen. Et nous vivons dans ce même jour-là, frère. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous savons que en ce temps comme celui-là, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est ce qui s'est exactement produit là-bas. Amen. Et en ce temps-là, il n'y avait, amen, c'est la nudité, la beauté, la recherche de ces choses dont nous allons parler. Amen, c'était les signes. Et il y avait le super signe. Il y avait la manifestation d'un ange de Dieu. Dieu a envoyé un homme. Amen. Alléluia. Dieu se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre. Et il entreprit de balayer la terre de tout ce qui a souffle de vie. Mais avant que Dieu ne juge, Dieu avertit d'abord. Amen. Et en ce jour-là, un homme
trouva grâce aux yeux de Dieu. Et c'était Noé. Et il n'y avait qu'une seule porte de salut dans ce temps-là. Et c'était un homme. C'était Noé. Gloire au Seigneur. La seule manière d'échapper à la colère de Dieu, ce n'était pas de prier pour dire, oh Dieu, fais grâce à la terre, ne juge pas la terre. Tu es trop amour. Non, ce n'était pas cela. Mais la seule porte de salut, c'était Noé. Dieu a envoyé un homme avec un message. Un seul homme. Il n'y avait pas deux. En ce temps comme celui-là, il n'y a pas un temps où les gens, où la terre est plus peuplée qu'aujourd'hui. La beauté est ce qui est recherché par, amen, particulièrement par la femme. Ce sont des signes majeurs. Des signes majeurs. Et en ce temps-là, amen, à moins de croire à un homme, il n'y a pas moyen pour vous d'être sauvé. Votre vie ne peut échapper. Vous ne pouvez pas échapper. Comme j'aime à le dire, votre corps va flotter sur l'eau. À moins de recevoir cette seule personne que Dieu a envoyée. Et on ne peut, il est venu avec un message. Gloire au Seigneur. Et l'arche de Noé, c'est le message de Noé. L'arche, c'est le message de Noé. Et en ce temps-là, il n'y avait qu'un seul message. C'est construisons l'arche. Refugions-nous dans l'arche. Car il n'y a aucun moyen d'échapper à la colère qui vient. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Pour conserver la vie, il fallait croire à un homme. On pouvait les appeler les Noéistes. Vous voulez dire que c'est vous seul qui avez la vérité? Parce que ce n'était pas la seule église. Il y avait déjà des églises. L'adoration a commencé depuis le jardin d'Éden. Abel, Caïn, Seth. Lorsque Seth est né, la Bible dit est long. Amen. Dieu commença à être adoré de nouveau sur la terre. Voyez-vous, Enoch a été enlevé et tout ça. Il y avait l'adoration déjà. Gloire au Seigneur. Mais si Dieu suscite un homme, suscite un prophète, c'est le signe qu'il n'y a plus de vérité sur la terre. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Lorsqu'un prophète se lève, il est le seul qui a la vérité. Qu'il y ait des églises sur la terre ou pas, qu'il y ait des bishops, des papes sur la terre ou pas, qu'il y ait des écoles de théologie sur la terre ou pas. Amen. Mais quand Dieu envoie un prophète, cela montre que toutes ces choses doivent être fermées. Toutes ces églises doivent être fermées. Amen. Une seule église ne doit être ouverte. Amen. Une seule église doit être ouverte. Et c'est l'église de Noé. À moins de croire à Noé, vous ne serez pas sauvés. Est-ce que c'est dans ce taille seulement qu'on dit ça? C'est là-bas. Donc vous voulez dire que si on ne croit pas à Noé, nous tous là, on va mourir. Oui, vous allez mourir. Donc vous allez dire que l'eau va venir et puis ça va détruire tout ce qui, les animaux, les hommes, tout ça. Oui, monsieur. Non, nous ne croyons pas à ça. Amen. Si vous voulez, croyez. Si vous voulez, ne croyez pas. Mais la parole de Dieu doit s'accomplir. Amen. Et Noé, c'est un homme comme vous et moi. Mais il faut avoir la révélation pour savoir qui il est. La foi est une révélation. Reconnaître l'homme de Dieu dans son temps, c'est une révélation. Ce n'est pas une question d'orgueil ou de campagne électorale, ou bien pour nous, non, c'est nous, etc. C'est la vérité. Ces gens ouvrent la Bible, on enseigne la Bible, etc. Mais frère, nous devons savoir. Ces mêmes choses se sont reproduites au jour de Noé. Là même, c'était un grand âge scientifique où les gens même ont construit une pyramide que la science moderne, même aujourd'hui, n'arrive pas à savoir comment est-ce qu'ils se sont arrivés à construire ces pyramides-là. La connaissance avait vraiment augmenté. Et nous vivons dans ces mêmes jours. Et ce que Dieu a fait là-bas, c'est ce qu'il fait encore aujourd'hui.
Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Nous avons des Bibles, les gens prêchent la Bible comme aujourd'hui dimanche. Il y a partout, on chante Jésus, la Bible est ouverte, les gens prêchent la Bible, etc. Mes frères, heureux êtes-vous parce que vous avez pris le bon chemin. Mais ayez la révélation de ce chemin-là. Ayez la révélation de ce chemin. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Il n'y a qu'un seul ministère qui a la vraie interprétation de la Bible sur la terre. Et c'est le prophète. Vous comprenez cela? La Bible dit 2 Pierre 1, verset 20 dit que l'écriture, la prophétie, la Bible, c'est la prophétie, c'est l'écriture, ne doit être l'objet d'aucune interprétation particulière. C'est-à-dire chacun n'est pas libre de former son école de théologie. Une interprétation particulière. Nous croyons que. Chez vous, vous croyez que. Non. Ça, c'est des avis politiques. Amen. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Qui a l'interprétation de la parole de Dieu. Et qui est l'interprétation de la parole de Dieu dans un âge, et c'est le prophète. Il a la parole. Et plus que là, il est la parole pour son âge. Il a l'interprétation. Et plus que cela, il est l'interprétation dans sa génération. Et vous devez avoir la révélation de ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Noé a dressé l'arche, il y avait un seul lieu pour fuir le jugement, et c'était l'arche. Amen. Fuyons dans l'arche, sinon nous allons mourir. Vous êtes cachés dans le baobab le plus élevé, sur le mont Himalaya. L'eau va vous dépasser. Gloire au Seigneur. Il n'y a qu'un seul lieu où il faut fuir. Cachons-nous devant la colère de Dieu. Et la seule cachette, amen, c'est le message de Noé. Qu'on vous appelle noéiste, qu'on dit, on vous dit vous exagérez, acceptez ça. Dites-leur, si vous ne fuyez pas pour vous cacher dans l'arche de Noé, vous allez mourir. Gloire au Seigneur. L'eau n'échappera à rien d'autre. Rien n'échappera à l'eau si ce n'est l'arche. Gloire au Seigneur. La colère qui vient ne reconnaîtra rien d'autre que l'arche. Il n'y a qu'un seul lieu où la vie est conservée, c'est dans l'arche. Où vous êtes là-bas et vous vivez, où vous n'êtes pas là-bas et vous allez mourir. Et pour l'homme, il faut être à la troisième étage. Amen. Là où il y a le baptême du Saint-Esprit. Il faut quitter la justification, la sanctification, aller jusqu'au troisième. Le baptême du Saint-Esprit. Dans cet âge, là est donné à l'homme. Dites amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Fuyons dans l'âge. Gloire au Seigneur. Nous fuyons ici. Donc c'est chez vous seul qu'il y a la vérité. Oui. Fuyez dans l'arche. Fuyez vos églises. Fuyez vos églises baptistes, pentecôtistes. Fuyez. Ce ne sont pas des arches qui sauvent. Il n'y a qu'une seule arche. Une seule église. Un seul message. Un seul homme. Alléluia. Jésus a dit, ce qui est arrivé là-bas se reproduira aujourd'hui. Vous comprenez cela? Et l'arche, c'est le message de Noé. N'est-ce pas? L'arche, là, c'est le message de Noé. C'est Noé qui est venu avec le message de construisons l'arche. Et le seul message, c'est Dieu va détruire la terre, construisons l'arche. Amen. Partout où vous deviez partir, c'est-à-dire, il y a une arche qui doit être construite. Il y a un seul lieu de repos. Il y a un seul abri. C'est l'arche de Noé. Et l'arche de Noé, c'est le message de Noé.
N'est-ce pas? Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Construire l'arche, c'est l'application du message de Noé. Amen. C'est le message de Noé. Quand l'arche construit, l'arche que vous voyez, c'est le message de Noé. Amen. Donc il n'y a qu'un seul refuge, c'est dans, cachez-vous dans le message. Amen. Fuyez dans le message de Noé. Amen. Donc si Noé est seul, et Noé est un prophète, et le prophète est le seul. Écoutons un peu ce que Malachi 4 nous dit. Et quand la parole du Seigneur, amen, vient à un vrai serviteur, il doit aller sans tenir compte des circonstances. Il doit aller sans tenir compte des circonstances ni des difficultés. Il doit aller de toute façon, qu'il soit préparé, qu'il en ait envie, qu'il le veuille, que sais-je encore, il doit y aller de toute façon. C'est Dieu qui parle et il faut qu'il apporte ce message. Parce que il n'y va pas pour des bêtises, il n'y va pas pour de l'argent, il n'y va pas pour la popularité, il n'y va qu'au nom du Seigneur et pour une seule chose. Il a une mission. Et il est envoyé par le Seigneur. Il est la parole de Dieu. Amen. Il est la parole de Dieu parce qu'il porte la parole de Dieu. C'est cela un vrai prophète du Seigneur. Allons au 59. Le messager et le message sont un. Si tu veux boire de l'eau, tu dois recevoir le bidon. Gloire au Seigneur. Hein, le bidon, l'eau et ce qui est dedans sont un. Amen. En achetant l'eau, même tu achètes le bidon aussi. Amen. Tu ne peux pas recevoir l'eau sans le bidon. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi si quelqu'un peut prêcher toutes les doctrines, même que le messager porte, prêche, mais sans recevoir, croire que c'est un vrai messager, il est faux. N'est-ce pas? 59. Alors il n'avait pas besoin d'un roi pour la prospérité. Ce dont il avait besoin, c'est un prophète. Car la parole du Seigneur, ou l'interprétation de la parole du Seigneur, vient à un vrai prophète. La parole ou l'interprétation. Allons prendre les événements modernes, on va insister encore. Deux parlent de témoignage. N'est-ce pas? Deux, c'est le signe, c'est le chiffre, la mathématique de Dieu. Deux, c'est le témoignage. Là où deux. Amen. Voyez-vous, on n'apportera pas d'accusation contre, etc. Amen. Alléluia. Si ce n'est sur la déposition de deux ou de trois. Dans Hébreux 1:1, Dieu a autrefois écrit la Bible par le moyen qu'il s'est lui-même choisi. Il ne l'a pas écrit par les théologiens. Gloire au Seigneur. Si le diable contrôle la terre, il contrôle par un peuple, par des gouvernements humains, par des gouvernements religieux. Et il conduit aussi par ses prophètes qui sont les théologiens. Non seulement il y a les faux prophètes, mais les théologiens. La théologie, c'est le moyen par lequel le diable conduit son église. Les théologiens, c'est le moyen par lequel le diable conduit ses Éphésiens 4. Ses pasteurs. Amen, ses pasteurs et autres. Gloire au Seigneur. Mais la révélation, c'est le moyen par lequel Jésus-Christ conduit son Église. Conduit ses Éphésiens 4. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Bon. Il ne l'a point écrite par les théologiens. Il est l'interprète. Non, il ne l'interprète pas. Non plus par les théologiens. Jamais les théologiens n'ont eu l'interprétation de la parole de Dieu. L'interprétation vient uniquement par un prophète. Le seul moyen pour nous de pouvoir sortir de toutes ces confusions
est que Dieu nous envoie ce prophète. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Et c'est ce que Dieu fait dans chaque âge. Et Noé est un prophète. Donc si Jésus-Christ dit la même chose reviendra, nous devions nous attendre à ce qu'un homme se lève sur la terre avec l'onction de prophète. Amen. Pour être l'arche. Amen. Dans laquelle les gens doivent se réfugier pour avoir le salut, pour conserver leur vie, c'est-à-dire avoir la vie éternelle dans le temps dans lequel nous vivons. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a un Noé là-bas et il y a un Noé aujourd'hui. C'est pourquoi la révélation nous a donné de voir et de comprendre. La Bible dit, quand Jésus parlait dans Matthieu 17, 11, quand il parlait, la Bible dit, les apôtres, ses disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ce n'est pas Jésus qui a dit c'est Jean-Baptiste, mais ses apôtres comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. On peut aller lire ça. C'est important. Matthieu 17, 11. Vous aimez la parole de Dieu? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Matthieu 17, 11. Amen. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir premièrement et rétablir toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples, voyez-vous, les disciples, gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Vous ne reconnaissez pas William Branham comme étant le prophète messager de ce jour? Parce que Kakou t'a dit. Amen. Beaucoup peuvent s'asseoir là, je vais leur dire, même quand ils vont arriver dehors, ils auront honte même de dire, Dieu nous a envoyé le Noé promis. C'est William Branham. Ils auront honte de dire ça. Tant que vous n'avez pas la révélation. Si vous n'avez pas la révélation, et qu'on vous dit que ce n'est pas Noé seul que tu entreras au ciel, demandez à ton Isabelle, il a eu la révélation. Dieu lui a envoyé la révélation et ton Isabelle. Amen, alléluia. Où est le chemin du ciel? On dit demander à l'homme portant un chapeau de cow-boy sur la colline. Lui connaît le chemin du ciel. Ton Isabelle. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Lorsque, amen, vous-même, oh Dieu, vous pouvez pas dire non, c'est pas nous seuls qu'on ira au ciel. Vous dites, ah, c'est ce qu'ils ont dit. Oh. Ça veut dire que tu n'as pas encore la révélation. Tu t'assois ici. Mais tu n'es pas encore assis dans le message. Tu t'assois sur une chaise ici, mais tu n'es pas encore assis dans le message. Mais lorsque tu auras la révélation du message, comme Noé était un, il aura aussi un qui sera un prophète et son message sera le seul recours. Amen. Pour le salut, pour le ciel. Et Dieu nous a envoyé cet homme. Et c'est William Adrian Branham. Donc ce n'est pas un fait de hasard. Si vous vous retrouvez ici, ce n'est pas un fait de hasard. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi vous allez vous asseoir, vous réfléchissez, etc. Message là même. Mais si tu as la révélation, quel que soit où tu, le lieu où tu vas te retrouver, le message est où? Où est l'arche de Noé? Vous serez très heureux. Même si vous arrivez dans un village, il y a des bâtisses là-bas, il y a des grands édifices là-bas, il y a de grandes églises. Mais vous trouvez votre frère. Frère, crois-tu le message? Oui, le message, je crois, frère. Vous êtes des. Alléluia. Si vous êtes mangué quelque part, avec une brochure, vous êtes heureux, frère. Vous êtes heureux. Parce que vous avez la révélation. Mais si vous n'avez pas la révélation, vous arrivez dans un endroit, vous allez rencontrer même votre frère. Il croit le message et tout. Mais dimanche, tu t'en vas chez l'Assemblée de Dieu. Les gens vous combattront, ils vous combattront, ils vous combattront. Etc. Les disciples comprirent alors qu'ils leur parlaient de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'était pas populaire. Il faut avoir la révélation pour croire cet homme.
Et la Bible dit Luc 7, 30. Hein, il sait pas, c'est ça? Ou bien Luc, c'est ça, Luc 7, 30. Voilà, voilà, c'est ça. Mais les pharisiens, les docteurs de la loi, docteurs de la loi, de grands théologiens, les pasteurs supérieurs. Amen. Les pasteurs, les super pasteurs, les pharisiens, les docteurs de la loi. Gloire au Seigneur. C'est-à-dire, c'est les gens même quand ils vont passer, mais ils vont tremper leur robe comme ça, etc. et tout ça. C'est un docteur de la loi. C'est-à-dire, il a une connaissance très grande, profonde de la loi. Mais il est devenu petit devant Jésus-Christ. Petit. Petit. Un jour même, un était parti là-bas, ses yeux sont ouverts. Comme vos yeux, je crois, sont ouverts. Vous étiez aveugles. Mais vous avez pris l'eau de la parole. Vous avez lavé vos yeux. Amen. Gloire au Seigneur. La parole faite chair a touché vos yeux. Et vos yeux se sont ouverts. Jésus-Christ est la parole manifestée. Et lorsque vous avez la parole manifestée dans votre temps, c'est Jésus-Christ. Amen. Quand la parole a ouvert ses yeux, il s'est retrouvé devant ses docteurs de la loi. On dit, mais donne gloire à Dieu, cet homme est un démon. Il dit, je m'étonne que vous dites que c'est un démon. Mais cependant, il a ouvert mes yeux. Il a ouvert mes yeux. Vous comprenez cela? Et il a commencé à parler. On dit, mais toi qui es né dans le péché et tout ça, tu nous enseignes. Et puis ils l'ont chassé. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de vous chasser. Ils ne peuvent pas vous convaincre. Gloire au Seigneur. Et tout ce qu'ils peuvent faire, c'est de vous chasser. Et comme je l'ai dit, quand le diable échoue dans le spirituel, l'homme échoue dans le spirituel parce qu'il n'a pas de verset pour vous convaincre, il va vous faire parler physiquement. Quelqu'un même va venir ici, non, non, vous là, vous adorez un homme, vous là, il y a image chez vous, vous là, etc. Et tout ça, il ne va jamais vous poser question pour dire, bon, expliquez-moi. Gloire au Seigneur. Hier, quand tu le saluais, bonjour, bonjour mon frère, comment tu vas? Mais après, quand il vient ici, ça va, bonjour, bonjour, bonjour. Vous comprenez? Alors vous rendez compte que croire ce message, c'est fort. C'est une révélation. Noé était seul dans sa génération. Il fallait croire à Noé lui seul. Il y avait un seul message. Est-ce qu'il y avait plusieurs pasteurs? Oui. Il y avait plusieurs églises? Oui. Mais était-il dans la vérité? Non. Un seul était dans la vérité. Et c'était Noé. Ça là, tout le monde sait ça. Quelle que soit l'église où les gens savent ça. Il y avait plusieurs églises, plusieurs prédicateurs, mais il y avait un seul vrai prédicateur. Jésus a dit la même chose se reproduira. Alléluia. Et Noé s'est levé dans un temps, amen, où la beauté était une préoccupation pour les femmes. La Bible dit, les filles des hommes étaient belles. Les mèches, les maquillages, les chirurgies esthétiques. Amen, elles s'éclaircissent. Gloire au Seigneur. Les coquilles qu'elles appellent ongles. Des ongles, je ne sais pas quoi, d'oiseaux, de corbeaux. La beauté. Gloire à Jésus-Christ. C'était ce temps-là, le même temps aujourd'hui. Lorsque vous êtes un chrétien, vous conjuguez la Bible au présent. Vous conjuguez la Bible au présent. Parce que Dieu lui-même n'est pas seulement le « j'étais ». Il est le « je suis ». Amen. La beauté pour un fils de Dieu. On a parlé de ça vendredi. La beauté pour une fille de Dieu. La beauté pour l'Église. Amen. Là, une femme est l'image, le type de l'Église. Et vous, les sœurs dans l'Église, vous êtes l'image naturelle de l'Église spirituelle. Gloire au Seigneur. Alléluia. Votre vie peint ou dépeint. Hein? C'est ce que vous comprenez. Gloire au Seigneur. La parole qui est prêchée. Vous êtes le panneau indicateur, le panneau publicitaire ou quoi, de la parole qui est prêchée. Gloire à Jésus-Christ. Pour une fille de Dieu, sa beauté, ce n'est pas les jolis ongles.
ce n'est pas d'avoir de jolis cheveux, mais la beauté que Dieu agrée. C'est la beauté d'un cœur en ordre avec Dieu. C'est la beauté intérieure d'un cœur en ordre avec Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est pas une beauté extérieure, mais c'est une beauté intérieure. Si l'intérieur est net, correct, l'extérieur sera sans problème. Parce que l'extérieur est la manifestation de l'intérieur. Donc si une chrétienne recherche la beauté extérieure et non la beauté intérieure, la sainteté, c'est que ton intérieur n'est pas correct. Tu n'es pas converti. Le prophète nous dit que la beauté, c'est la sainteté pour l'église, pour une fille de Dieu. On peut relire ce qu'on a lu la dernière fois là. Gloire à Jésus-Christ. Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Paragraphe 42. Amen. Puis après qu'il lui a prêté son sacrifice, son autel, son église, tout, c'est beau. Probablement beaucoup plus beau que ce qu'Abel avait fait. Mais Dieu n'est pas dans la beauté faite de main. Mais Dieu n'est pas dans la beauté faite des mains. La beauté de la sainteté. Que l'Assemblée dise Amen. Amen. Et Amen. La beauté de la sainteté, c'est là que Dieu demeure. La beauté de la sainteté, c'est là que Dieu demeure. Et cela est provoqué par un cœur craignant Dieu. Un cœur qui dit Amen à la parole de Dieu. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La sainteté fait de toi un vase prêt à être utilisé par Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Nous voulons être un temple dans lequel Dieu demeure. Un temple dans lequel Dieu demeure. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte. Ne mange rien d'impur, car tu vas devenir enceinte. Tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa maman. Alléluia! Gloire au Seigneur! Amen. Dès le vent, ça dit le vent de sa maman, c'est un lieu saint, c'est un lieu qui doit être saint. Là où la sainteté doit demeurer, là où la gloire de Dieu doit demeurer. 1 Corinthiens 6, la Bible dit, ton temple, ton corps est le temple. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Le temple du Saint-Esprit. Et tu bois koutoukou, tu bois bière. C'est contraire à la parole. Un chrétien est un nombre 6-1. Un chrétien est un nazirien. La sanctification. Pas les uniformes d'église. Des coutures. Pour que nos filles là, oh sœur, rendez-vous belle. Non, rendez-vous sainte. C'est pas rendez-vous belle, rendez-vous sainte. Si l'intérieur est saint, l'extérieur sera saint. Mais si l'extérieur est bien, l'intérieur est grave, c'est de l'imitation. C'est de l'imitation. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il faut la sanctification, la sainteté. L'église ou le chrétien doit régler le problème du péché avant de prétendre au baptême du Saint-Esprit. Repentez-vous, acte 2, 18. Repentez-vous
soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ, pas dans le nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Non. Dans le nom de Jésus-Christ, pour le pardon de tes péchés. Alors tu recevras le don du Saint-Esprit. C'est ça la beauté d'un chrétien. La beauté intérieure d'un cœur en ordre avec la parole. Gloire au Seigneur. C'est ce que Dieu agrée. Et parce qu'il y a la crainte à l'intérieur, l'amour de Dieu à l'intérieur, tout ce que tu fais, c'est la parole. Parce que quand tu es converti, le cœur est converti, ton habillement est converti, tes fréquentations sont converties, les choses que tu regardes et tu écoutes sont converties. Tu quittes un pays pour un autre pays. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Amen. Mais voyez-vous, pour les filles du monde, la beauté, c'est une beauté physique. C'est une beauté physique. La beauté extérieure, paraître, séduire. Hein? Elle se couvre d'artifices. C'est ça, non? Hein? D'artifices. Des choses qu'elle met sur elle pour tromper. On se couvre d'artifices. Quand un homme choisit une fille d'une certaine famille, il ne doit pas se fier à la beauté. Car la beauté est trompeuse. Et là, Esaïe, Proverbe 31, verset 30. La beauté moderne est du diable. Oh, j'entends quelqu'un dire, fais attention ici, prédicateur. Je dis que, amen. Et n'oubliez pas, il a dit quelque part, je suis la voix de Dieu pour vous. N'est-ce pas? Gloire au Seigneur. Alléluia. Je dis que sur la terre, tout ce qu'on appelle beauté est absolument du diable. Je vais vous le prouver. Alors, à la lumière de cette remarque, sondons la parole de Dieu pour voir si c'est vrai ou pas. Si certaines d'entre vous, femmes, désirent être vraiment jolies, voyez-vous d'où cela vient? Le 17. Oui, montez. Nous trouvons qu'au commencement, Satan était si beau qu'il séduisait les anges. Et il était l'ange le plus beau de tous. Cela montre que ça vient du diable. Proverbe dit, Salomon a dit, la beauté est vaine. C'est juste. Le péché est beau. Certainement qu'il l'est. C'est attrayant. Tu vois une fille sort, elle s'habille. Tu vois les filles des hommes s'habillent comme ça. Mais toi, tu es une chrétienne. Tu es une chrétienne. Les gens ne savent pas. Les gens ne croient pas à l'enfer. Les gens ne croient pas à l'enfer. Vous allez vous retrouver dans un endroit, vous allez dire, est-ce que, voyez-vous, comme dans ce film de Jérémie là, hein, Nebuzaradan, le chef de l'armée, demandait, quoi, c'est des siens ou même quoi, eh, chez vous là-bas, il y avait un prophète du nom de, il a dit Jérémie, j'ai dit Jérémie. N'avait-il pas prophétisé ces choses? Il a dit, si. Gloire au Seigneur. Gardez votre corps. Ne vendez pas votre corps au diable. Votre corps ne doit pas être au service du diable. Le diable sait que je peux dire même le grand moyen. Voyez-vous, un rabbin juif disait, il dit 99%. 99%. Amen. De ce qui cause des problèmes aujourd'hui sur la terre pour envoyer des gens en enfer, c'est la dépouille sexuelle. Le sexe. Le diable, par ce moyen, a amené la chute. Il amène la fin des temps. Le diable cherche des filles par des chirurgies esthétiques. Le vendredi, je le disais, il rétrécit les yeux, marquant que c'est lui.
quand vous voyez la chirurgie des femmes et tout ça, les yeux petits, petits comme des Chinois. Tu n'es pas chinois, mais ils te rendent chinois. Petits yeux, qu'est-ce que c'est? C'est serpent. C'est pour montrer sa trace, sa marque, son cachet sur ta vie. Amen. Et elles font de petits yeux. Gloire au Seigneur. Amen. Parce que, amen, une fille même, lorsqu'elle n'a pas ces choses-là, lorsqu'elle veut séduire un homme, elle rétrécit un peu ses yeux. Elle est comme si elle va fermer ses yeux. Le diable dit, ne t'en fais pas. Le temps vient où moi-même je vais m'occuper de cette affaire. Et il vous envoie dans les chirurgies. La beauté coûte très cher. Les gens payent des millions. Des millions prennent avion pour aller dépenser des millions. Arranger leurs fesses. Amen. Arranger leur corps. Faire des chirurgies. Vous êtes des chrétiennes. Ne faites pas ces choses. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ne cédez pas votre corps au diable. Amen. Cédez pas votre corps au diable. Le diable utilise les corps comme un appât à maison. Appât pour envoyer le Fils de Dieu en enfer. Et lorsqu'il a fait dans Genèse 6, ça produit des géants. Et Dieu lui-même s'est repenti d'avoir créé l'homme sur la terre. Il fut affligé dans son cœur. Quand une femme prêche, ça devient une église lesbienne. Parce que l'église est une femme. Et une femme fait la cour à une femme. Parce que le pasteur, il est le mari de l'église. L'église est une femme, le pasteur, c'est un homme. La femme n'a pas de semence. Donc elle ne doit pas aller avec une église qui n'a pas aussi de semence. Amen. C'est une femme couchant avec une femme. Frère, ce sont les choses spirituelles. C'est la lecture spirituelle des choses. En Israël, Lévitique 21, verset 21. Si vous avez un défaut corporel, vous ne prêchez pas. Vous ne distribuez pas l'aliment sain. Amen. Et la Bible dit, je crois que c'est Deutéronome chapitre 13. C'est lui qui a les testicules écrasés. N'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur, etc. Et tout ça. Donc lorsque un homme naît de cette condition, il a un défaut corporel. Donc une femme naît déjà défaut corporel concernant le ministère. Vous comprenez? Perversion religieuse. Perversion chez les hommes. Les hommes ne savent plus à quel sexe ils appartiennent. C'est l'âge dans lequel nous vivons. L'âge de Noé. Gloire au Seigneur. Amen. Si vous trouvez que ce n'est pas William Branham, trouvez-vous votre Noé. Parce que vous devez trouver Noé. Amen. Nous sommes très sincères. Si vous croyez que ce n'est pas William Branham, mais trouvez votre Noé. Trouvez-le. Béni soit le nom du Seigneur. Perversion religieuse. Perversion chez les hommes. Les hommes ne savent plus à quel sexe ils appartiennent. Il a dit la dernière fois. Aujourd'hui en Europe, vous voyez un homme avec tous les attributs d'homme. Vous ne devez pas le saluer. Bonjour monsieur. Peut-être qu'il se considère comme une femme. Vous comprenez ça? Chez les blancs là-bas. Donc il veut qu'on le dise bonjour madame. Encore du voici même Yana. Quelquefois même sur votre plateau de RTI ou bien je ne sais pas quoi, il y en a même qui viennent sur le plateau, etc. Habillé comme une femme, bien cheveux, tout ça. Je dis, mais non, oui, j'aime qu'on me dise bonjour, bonjour madame. Mais tu es un homme. On dit, mais est-ce que tu es un homme là? Tu as tout ce qu'un homme a. Oui. Quelquefois, elle s'en fait chirurgie, on gonfle sein là. On gonfle ici. On gonfle fesses. On arrange le visage. Il devient la femme d'un autre homme. Avec sexe de garçon. Aujourd'hui même, quelquefois, il s'en va, on enlève sexe de garçon, on met sexe de femme. Voyez-vous là, le prophète. Les hommes ne savent plus à quel sexe ils appartiennent. Les femmes non plus.
Elle est femme, mais c'est un homme. Elle se tient là, en salopette d'homme, et ou en petit short bizarre, des vêtements qui sont plutôt qui montrent chaque mouvement et met en relief chaque détail de son corps. Mais elle se dit chrétienne. C'est ça, c'est ce qui montre, c'est que si un enfant de Dieu attend la parole, la vérité, et puis marche, va dans des églises, vous leur parlez dehors, parlez-leur. Amen. Parlez-leur. Amen. Un jour, les gens regretteront. Avertissez, qu'ils soient papa, maman, avertissez-leur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quand vous êtes trouvé là, en tout cas, moi, je cherche une bonne église pour partir. Je cherche une bonne église. C'est faux. Montrez-leur la parole. Ils vont se cacher comme des cafards. Amen. Gloire au Seigneur. Ils vont dans l'église, les choristes là sont là, etc. Ils sortent les saints dehors, habillés, sexy. Et puis ils sont là, ils donnent offrande pour soutenir ça. Au dehors, ces mêmes filles là, vous les voyez dehors. Vous comprenez? Amen. Le salut même est sélectif. Le salut est sélectif. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé. Gloire au Seigneur. Amen. Elle se dit chrétienne. Elle n'est même pas une dame. Quant à être chrétienne, n'en parlons même pas. Elle est une prostituée de rue utilisée par Satan, inspirée par Satan pour envoyer le Fils de Dieu en enfer. Voici un prédicateur. Gloire au Seigneur. C'est ça qu'on appelle prédicateur. Il dit la vérité. Amen. D'abord, l'église, on insiste les gens. On critique les gens. Trouvez votre Noé. Si vous croyez que c'est William Branham, alors obéissez au message. Pour accomplir la parole que Jésus-Christ a annoncée, qu'elle s'accomplirait. Je n'avais pas l'intention de le dire, mais il l'a dit malgré tout. Voyez-vous, c'est le prophète. Dieu utilise sa bouche pour parler. Voyez-vous d'où vient cet esprit religieux? L'arbre mélangé. Gloire au Seigneur. Que votre corps ne soit pas un appât. Amen. Utilisé par le diable pour accomplir ses desseins, séduire les gens, etc. Vous comprenez cela? Cachons notre corps. Cachons notre corps. Que Dieu nous aide. C'est pas dur, c'est la vérité. C'est pas dur, c'est la vérité. C'est pas dur, c'est la vérité. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse. Debout quelque part dans l'ombre, tu trouveras Jésus. Il est celui qui toujours prend soin qu'on prend. Debout quelque part dans l'ombre, tu vas le trouver. Tu le reconnaîtras au marque dans ses mains. Oui, je vais le reconnaître. Racheté, je serai près de lui. Oui, je vais le reconnaître par les empreintes des clous dans ses mains. Quand mon travail termine, je passe la marée haute. Quand je vois le matin brillant et glorieux, je reconnaîtrai mon sauveur là sur l'autre rive. Son sourire va m'accueillir en premier lieu. Oui, je vais le reconnaître. Racheté, je serai près de lui. Oui, je vais. Par les enfants.
des clous dans ses mains. Mon âme tressaille de joie quand je vois sa face unie et le doux éclat rayonnant de ses yeux. Mon cœur le loue pour sa bonté, son amour, sa grâce qui prépare pour moi une maison au ciel. Oui, je vais le reconnaître, racheté, je serai près de lui. Oui, je vais. Today.